Bonjour à tous, aujourd'hui on continue notre classe avec une toune super stressante qui donne l'impression qu'on va se faire péter la gueule drette là, drette à commencer. C'est-tu pas stressant? C'est probablement l'opening que j'ai fait de vidéo le plus stressant qui donne plus l'occasion. Pas l'occasion, mais l'impression qu'on va se faire casser la gueule. Surtout qu'il y a couvert John même, là, c'est capotant! On voit fuck all partout, hosti! Rien, rien. Hey, hosti, ça prend une flashlight, là, calice! Il y a d'avoir des escaliers ici. Il y a d'avoir une porte là. Oui, non, je sais plus. Tabarnak, on voit rien, sti. Non, ça j'arrive de là. C'est à gauche, j'ai essayé tantôt. Ouais, c'est à gauche, on va essayer à droite. On doit en avoir une à droite et tout, vu que c'est sûr que c'est symétrique. Non? C'est quoi qu'il y a là, sti? Hey, tabarnak! C'est pas mal là que je voulais aller, ouais. Ah, encore, les écrits. Ouais, puis je mets quand même le noir. Je veux le noir, asti! C'est vrai, on a une caméra, Chris, de gros calice de cap. Là, elle me dit que c'est ça, vision nocturne. C'est à ça que ça sert. On voit même pas plus, sti. Hé, hey, maudit, t'as-tu vu ça, toi, vision nocturne? Je vois tout! Un vrai chat, sti. Hey, c'est pas ça certain, c'est-tu? Ah bon! Fallait peser sur la touche F! Putain, il aurait dû le dire! Bon, là on voit un peu... Un grippe, maudit calice! Bon, hein. Voir c'est encore un ben gros mot, là. Vous avez pas vu ça, c'est des cadavres partout, tabarnak. Le gars qui fait ça, c'est vraiment un gros crotté. Bon. Là, ça s'explique. Ça n'a pas rapport à le mot, là, mais... On va rester caché là un peu, je pense. Ah, c'est de coller cet arbec! Hey, je suis bien caché là! Ça se peut pas être bien caché comme bout. Hey! Ils m'ont pas vu finalement, c'est vrai que j'étais bien caché! Les Chris! Juste un autre fantôme. Nous, on voit qu'il y a quelque chose qui marche pas bien entre les deux basse-couilles. On va attendre un petit 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Ah ouais, on va commencer notre catch. Non, pas ce moment-là, où est-ce qu'on laisse la cave? Tu sais, ce petit colon, il ferme à la porte, même pas du bonbon, ce petit gros calice de colon. Bon, oh, il est plus là. Si je le vois pas, il existe pas. Ah! Ah! Ah!
Parce qu'il faut comme tout le temps l'éviter tout en faisant les affaires, hein, c'est un peu capotant. On va attendre un petit peu comme l'autre fois, là, faut pas faire trop de cave. T'sais, je voudrais pas ouvrir la porte pis que ça aille là, drette là, t'sais. Surtout, hey, on est assez subtil dans ce style de jeu-là. Il y a une batterie là, on va en pogner, hein? Ça va être bien utile. Ben, je l'entendais marcher, fait que je me suis dit, je suis peut-être plus de colisser mon hockey. J'ai ça, quelques l'éclairage. Ah, c'est. Colisse de crise. On va se cacher à la place, mais dans l'autre côté, à la place. La même, ben. Il me pouvait. Ah, si, je le savais qu'elle allait me voir. C'est un peu colon. Ah, je suis pas mort encore! Ouais! Mais qu'est-ce que c'est, ce petit maudit babouin? Ça, j'ai sûrement pas tout ce qu'il faut. Non, il est là! Non, ah, ah! Si, mais maudit arnaque, que le chemin est off de place! Bah oui, mange de la merde, ce petit gros calice! Ah, tu sais, ce petit bullshit de la merde, sérieux! C'est quoi les chances? Tu sais, je ferme la porte. Oh, moi, je connais ça, ce lieu-là, ce petit, il m'a rentré par l'autre porte. Mange de la merde, ce petit, c'est pas compliqué. Mange de la grosse merde. Hey, ben, ce petit, l'ambiance est excellente, le jeu est crissement bien fait, t'sais, tous les effets de patente, tout est excellent, t'sais. Le rendu sonore, visuel, les effets, le scénario, il a de l'air bien pensé, même si moi un scénario c'est court, saute, puis saute sur des tuyaux pis des champignons, t'sais, moi un scénario d'un jeu, c'est la dernière nécessité dans le bas, là, quand même que le jeu a zéro scénario, que c'est bonjour, je suis une poire et je dois sauver... un chou-fleur dans les catacombes, ben ça reste qu'encore là, il y a une histoire, ce serait chou-fleur dans le catacombe qui... Non, pas ça, la poire qui veut sauver le chou-fleur dans le catacombe, le but c'est de sauver le chou-fleur. Donc, finalement c'est rare, hein? ça se peut quasiment pas un jeu qui a pas de scénario, dans le fond, en fait, compte. Ça fait des petits sons bizarres, hein, c'est... Ben ça, ce qui est de la merde, c'est que probablement que là, on a rien perdu là, il va falloir que je refasse tout ce que j'ai déjà fait. Exactement, ben écoute, tu sais, il aurait dû mettre un checkpoint. Aussitôt que je fais un pas, il y a un checkpoint qui se fait. Genre, mais si c'est un pas qui te fait reculer dans le jeu, ça save pas, mais si ça te fait avancer, ça save. T'sais. Là, j'ai l'air d'un hostie de casual de la même, tu sais, qu'il faut que ça aille guider dans le jeu, pis ça, là. C'est ça. Fait que, parce que non, je me considère pas comme une casualisation casual d'un casual. Là. Mais c'est ça, ben... Tu sais, mon but était de montrer un petit peu l'atmosphère du jeu. C'est jamais vraiment de les finir. Moi, je voulais que montrer, hey, voici Outlast, ça a l'air de tout ça. Aimez-vous ça? Non, jouez pas. Oui, jouez. J'aime ça? Oui, mais je joue pas. Je cave de même, tu sais. Fait que, écoute, donc, mon but, c'était de faire une présentation du jeu, un petit peu vous montrer l'ambiance, le principe, tu sais. Puis je pense que ça a marché. Je pense. Fait que si j'ai à continuer, ben continuer ça de mon bord, pis c'est tout, parce que là, il y a tellement de jeux aussi, de ces sites qui sont sortis, tu sais, Mario Kart 8, pis tout, là, pis je fais plus rien, c'est-tu, depuis que le jeu existe. Fait que... Mais voilà, c'est Outlast, fait que, essayez-le, il est 20$ sur Steam, là, il y a les ventes Steam qui s'en viennent, qui sont peut-être passées, qui bien que le vidéo, c'est bien en ligne, si on marque bien et tout, là. Fait que, il va sûrement être en rabais. Fait que, essayez-le, si vous aimez ça. Ça ferait quand même, d'après moi, une bonne carte graphique pour le runner, parce qu'il y a quand même des...
C'est quand même pas lettre comme jeu, c'est pas extraordinaire, asti, mais t'sais, c'est quand même beau. Fait que, coudonc, Outlast, c'est un des meilleurs jeux d'horreur de l'année selon beaucoup de monde, et probablement selon moi et tout. Parce que moi, ben, remarque bien qu'un jeu d'horreur, t'sais, souvent, moi, un jeu d'horreur, pour moi, c'est toutes les deux secondes, tu sais. Mais t'as tous les jeux qui sont stressants de même, puis à coup de matraque, puis des affaires de même. Ça et tout, c'est des jeux d'horreur. Puis souvent, ils sont même meilleurs, sont mieux faits, sont mieux pensés. Mais moi, j'aime mieux me faire sursauter. Je trouve que c'est plus drôle, tu sais. C'est pour ça que quelqu'un sursaute. Je ris, si c'est pas que la logique de cave, ça. J'ai peur. J'ai peur. Hostie de cave. Ben, beaucoup d'eau. Fait que sinon, on te laisse 20$ sur Steam. On va mettre un lien dans la description encore. J'aime ça mettre des liens dans la description. Fait que voilà. Fait que sinon, on te laisse. Fait que merci d'avoir regardé la présentation du jeu. Fait que laissez un j'aime, laissez un commentaire, qu'on sache si c'est bon ou ce qu'il l'est pas. Abonnez-vous si vous aimez ce que je fais, puis que vous trouvez que c'est bon, tu sais. Puis si vous aimez ça, c'est parce que vous trouvez que c'est bon, anyway. Fait que, c'est ça. Un j'aime, un commentaire, si ça vous tente, subscribe, ben, ça va toujours m'encourager. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo, un prochain jeu. Prochainement, là, dans les prochains jours, semaines, plus jours, en tout cas, on va espérer que ça va être des jours, vu qu'il y a marqué encore une fois. Fait que, bye bye! Ah oui, m'a vu direct! Patate! Et de deux! Et de trois! Ah ben, ça fait quand même pas mal de coups, hein, mais tu peux voir. Bon, une petite claque de ça, le mosé, on est en train de crever bien. Et vert! Mosé, j'ai piqué à potin. Fou, pareil.